Le fond. Ah, moi aussi, j'ai très chaud, t'inquiète pas. Donc, où est-ce qu'on en était? Tout simplement, dans ce jeu, alors, nous avions fini plus ou moins les deux premiers mondes. Enfin, les deux premiers niveaux, on a une télécommande de chaque, donc, sachez que pour accéder au premier boss que j'ai déverrouillé, il fallait avoir trois télécommandes. Et en tout, on peut en avoir jusqu'à 6. Du coup, on va peut-être faire toute. On va peut-être continuer à faire. Simplement les mondes, je vais pas faire le boss de suite, histoire de terminer ce monde 6. Et voilà, du coup on va commencer par le plus facile, il en manque une. Après on fera le monde d'Halloween, parce que le monde d'Halloween il est un peu plus compliqué, si vous vous rappelez bien, je vais bien rager dessus. Alors du coup, on va enlever ça. Hop. Sinon, moi, ça va très bien. Ça va très bien. J'ai aussi chaud que toi. Donc, il nous manque cette dernière télécommande. Alors. Les carottes sont cuites. On fait vite fait ce monde, hein. Peut-être essayer de monter la vis pour être un peu. Faut faire gaffe aux fleurs, elles sont méchantes. La caméra a l'air ingérable. Ah, c'est la caméra. C'est la caméra. Ah, je suis désolé, c'est la caméra. C'est le mode auto-track de la caméra. C'est le mode semi-automatique. Le mode manuel est chiant aussi. C'est surtout la caméra de la pièce qui est un peu chiante. Hop, une life. Ouais, je suis en manuel. Parce que en fait j'étais. Enfin, le problème c'est que c'était du semi-automatique. L'automatique était encore plus ingérable. Ouais, les épinards. Oula. Fais gaffe au piège. Ah, Robert, il est là. Ah, on a été touché pour une balle. Ah, the old five finger discount.
On pense avec la caméra de la PS1. This is really about your father, isn't it? No, I'm too young to have a second childhood. Ah, putain. Ouais, merde. Fail. Premier fail. On va direct rush du coup parce que là, clairement. Heureusement qu'on avait une vie bonus. On va rush un peu. On peut passer direct par là. En la mode Bugs Bunny. Mon temps est déjà fait. Putain de caméra. Voilà, redonne-moi la vie que tu m'as prise. Allez. Putain, ils sont chiants, ce piège. Putain, ce mode de caméra, juste. Autant sur Spyro, parfois la caméra était galère, comme sur Crash, mais là. En tout cas, j'espère que cela va vous plaire. Oh, mais fais chier, merde. En plus, il me manque juste une télécommande pour finir ce monde. À 100% sur un jeu, enfin, ça serait bien, quoi. Parce que Spyro, j'avais pas plus de 100%, quoi. Aïe! Ça fait un hippopète.
Le piège. Le piège à loup, ils sont toujours cons. Le piège à ours. Plutôt. Il leur manque une langue, quoi. Voilà. Non, mais c'est un checkpoint. C'est pas ce que je cherche, je cherchais. Merde. Je mets une pièce par là. Ah, tiens, une espèce de. Yes, ça. Enfin. Putain, vive le platforming et moi, quoi. C'est bourdon, quoi. Ok, il y en a qu'un là. Non ! Ouais, tant pis. C'est pas ce qui nous importe là. Bon, bah, tant pis. On s'occupe juste de la télécommande. Le son, c'est que du bonus. Ah, il y avait des mouches là aussi. Oh putain, c'est vrai qu'il y a du vent dans ce putain de monde. Ah oh, mais fais chier là. Putain, j'ai ragé, j'ai pété un câble. Ah oh, vive le fail. J'ai le piranha, allez hop. Ouais, vive le fail. Heureusement qu'on a sauvegardé ici quand même. Putain. Putain, puis on va pas s'occuper du gros caillou. Allez la mouche. On va s'occuper du... Putain. Ah! Putain, c'est ingérable. Fait chaud ce niveau. Putain, comment on se met en mode... Alors, je viens de penser que le mode semi-auto était pas pire. C'était même un chouïa mieux quand même. Allez, hop, attendez. Si on s'occupe de ça, ça fait quoi? Ça fait rien le phare. Le smiley. Allez, l'emoji.
Allez, du mode Mario. Hop, faut pas toucher au cactus. Je m'excuse des petits bugs, hein. On est sur Emu, je vous rappelle. Et puis mon PC peut déconner aussi. Putain, une commande. Oh mais fuck. Oui, fait. Ah, j'ai empilé le fade, ça fait bien. Galère time. Putain de... C'est pas possible. Non, on veut juste faire celui de tout en haut là. Allez, tu vas y arriver. Non, je suis pas pressé, c'est juste que j'essaye de... C'est juste que la caméra, elle bug. Enfin, c'est juste qu'elle est chiante, la caméra. Le timing, 1, 2, 3. Oh, de peu, quoi. Ouh! Putain. Il en manque une. Aiden. Elle est où la cachée là? En manque une. Bon. Tant pis, on le fera plus tard. J'ai toujours pas retrouvé où était l'autre télécommande. Ah, attends. Les gens, Aiden, on l'a pas trouvé. On a les trois télécommandes. Ah, il nous en manque deux dans la zone. Smell Rider, Out of Tune. Bon, il nous manque des télécommandes. Frankenstein, c'est non. On l'a pas encore fait. On va faire du coup le niveau Halloween. Que j'adore. Enfin, c'est de voir les deux autres dans ce monde. Alors, Smash, Five Blood.
Ah, tu veux dire peut-être. Donc, refroidisseur de sang, donc SMU des fantômes. Raid Haunted Elevator. Bon, on va se matcher les. Je sais pas ce que c'est les couleurs, j'ai pas compris comment ils avaient. J'aime pas cette map. J'aime pas du tout pour te dire, ça va. Le monde Halloween, c'est un que je n'aimais pas à l'époque. Parce qu'il est chiant, il galère. En plus, par moments, il est un peu creepy. Même si c'est que du cartoon. Ah, j'aime pas cette map. C'est le Frankenstein de merde. Ah, l'obstacle, je me rappelle que in sur le tempo ici. Fontaine de sang. Blessure ensanglantée. Moi, j'aurais peut-être dit refroidisseur de sang, mais ça doit être des fantômes. Parce que couleur, c'est qui refroidit? Ah, un cœur. Alors. J'aime pas cette caméra qui déconne. Oui. Si je monte. Ah bah là il y a une citrouille. C'est vrai, je me rappelle qu'il fallait passer par là. Et non, j'ai fail. Le roi du fail. Super. Alors, putain. Ah, elle est chiante cette caméra, mais. Hop, on active. Allez. Heureusement que la langue elle sert à quelque chose. Ah oui, putain, les yeux. Les yeux de ce niveau-là, dans les toiles. Alors, des pierres tombales. Il y a un truc ici. Ah, une fontaine de sang.
Je sais pas quoi ça sert. Ah, attends. Oh putain, je vais devoir un truc. Oh. Il y a un système, ok, putain. Putain, j'avais pas capté ce truc. Ça mène là. Ah putain, oui, lui, j'aime pas ça. Lui, je l'aime pas. Oui, bien sûr. Mais c'est lui, il y a un truc pour le buter, j'ai jamais compris. Ah, j'avais jamais compris comment la voir. Putain! Le problème, c'est qu'on peut pas le toucher comme ça en fait. Il doit y avoir un truc à faire. Stop into the pouvoir du feu. Non, mais normalement, essayer de télé qui te transforme en feu. Mais ça servait à rien. J'ai jamais compris comment les avoir ceux-là. Le truc de tout à l'heure, t'es clairement un bleu de couleur, j'imagine que tu. Ouais, ça c'est une fontaine de sang, j'imagine que tu peux le péter en sautant. On va check. Ah ouais, merci. Ah putain. Ah ben merci du conseil. Putain, ça me serait pas venu à l'esprit, tu vois. Fontaine de sang. Moi je pensais que c'était un refroidisseur de sang. Enfin. Ouais, c'est ça. Par contre, pour le niveau d'après, je sais pas du tout comment on va faire. Attends. Ouais, Frankenstein, tu vas me donner de la vie. Oh, elle a perdu sa jambe. Alors, putain de. La rage est en moi. Mais ce n'est que le début. Ouais. C'est comme l'autre monde où c'est pas évident de trouver. Putain. Il faut que je trouve de la vie là. Désolé pour le bug graphique. Hop. J'aime pas ce monde. Putain. C'est refroidisseur, c'est ce que je t'ai dit. Ah putain, ah oui. Mode Gecko. Allez. Putain, ça va être chaud là. Hop. Et non! Vive les fées! Ah, vive le bug! Le retour! Allez! Tu vas y arriver, champi? Non, ça on l'avait fait, c'est-il la mouche?
Putain, mais ce cri là, ça me... C'est un peu débile, mais... D'avoir peur pour un seul truc. Alors. On change l'angle de vue. Donc ça, on l'avait fait. On a activé un truc aussi. Stop into the light, c'est ce qu'ils disent. Donc la lumière. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec cette putain de lumière? J'en suis sûr que c'est le... Fail. On est d'accord. On peut pas les toucher. Step into the light, restez dans la lumière, il dit. Impossible. Putain, non. On veut de la vie, nous. Putain. À mon avis, si je me rappelle, ce niveau est difficile à faire en 100%. Eux, on peut les avoir. Faut juste pas qu'ils te crachent dans la gueule. Voilà. Voilà. Ça veut dire que c'est juste le deuxième niveau. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah oui, le niveau des chiottes. Des superbes chiottes. Les chiottes, elles sont juste cassées. La caméra. On est dans un jeu vidéo abruti. Parce que si on peut avoir des mouches qui nous rendent en feu aussi. Et je sais que c'est peut-être utile contre certains mobs. Fail. C'est purement un jeu de plateforme comme à l'ancienne, quoi. Ah voilà. No hunting, pas de honte. Aïe! Putain, le timing est champi. Mon masque de Freddy. Masque de vendredi 13. Ouais. Mais ça fait, ça sert juste à zoomer en fait. C'est surtout qu'il faut que je tourne bien aussi la caméra. Ah oui, les Chucky. Les psychopathes. Je sais jamais comment on les a. Ah, c'est bon, faut leur toucher la tête, c'est bon, je me rappelle. Encore le fantôme chelou.
Putain, j'aime pas cela, quoi. Fail, super. Là là. Mais je fais n'importe quoi. Tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous passez un bon moment. Que vous appréciez ce jeu. Si vous connaissez pas, que vous appréciez de découvrir. Passer dans la lumière. Là, c'est un peu une histoire de timing. Oh putain! Ah, mais c'est bâtard ce truc! Complètement con le perso. Forcément qui sont complètement con, qui sait pas jouer. Ce qui est possible aussi. Alors voilà. Ce sont dès qu'on reste dans la lumière, il peut rien nous faire. Yes! Attendez. C'est où qu'il y avait la trône? Il y avait un truc ici. Voilà, là il y a le monde. Même dans le bizarre. Je sais pas à quoi ça servit ce truc. Je compte qu'il y ait un serpent, mais plus. J'ai pas capiche. Ah bah il nous en manque une là, elle est là. Est-ce que c'est le deuxième? Aiden, non. Putain. Ah mais ici, on en a deux. Il manque celle du milieu. C'était un ascenseur. Si c'est sûrement ça, une antenne d'élévateur. Pour la troisième télécommande. Ah ouais, peut-être. Du coup, il nous manque les fontaines. On va faire les fontaines, du coup. On sauvegarde quand même. Allez. Smash 5 Blood Cooler. Ouais. Et d'ailleurs, faudra qu'on fasse aussi le troisième d'avant. J'aime pas ce niveau quand même. Toute façon, on a déjà tout validé ici. Il nous reste juste à. À trouver ce qui manque. Putain, d'ailleurs. Attendez. Ça fait quoi, tu fais? Je sais pas du tout à quoi il sert. Moi non plus, j'ai pas peur des fantômes. Ce n'est que des pixels. Et encore plus, c'est des pixels de cartoon.
moins de visée sur sa loge. Il sautait sur l'horloge. Mais je sais pas quoi elle servirait de sans l'horloge, donc... Ah bah il est là le truc... Ah bah regarde, on l'a trouvé. On en a trouvé une deuxième. En plus, je me demandais quoi elle aurait servi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça ce que j'aime bien dans les vieux jeux de PS1, enfin dans les vieux jeux. C'est que parfois, t'es obligé de retourner dans les mondes pour retrouver des items et tout, et ça, c'est pas mal. C'est moins casualisé, on va dire. Alors que maintenant, les jeux de nos jours, c'est beaucoup de casu. Mais pas beaucoup d'autres choses. Ah mais je fail comme pas possible. Aïe putain c'est vrai qu'ils font mal ceux-là. Saute. Non mais c'est le boss. On voit le boss sur la caméra. Là sur le tableau. Bah si c'est le boss final, sans trop de spoil. Yes! Une mouche de feu. On avait vu une là. Eh salut Delo, comment ça va? Mais c'est cro... Et c'est bon pour le dieu de l'enfer, lol. Ben là, le deuxième qu'on avait trouvé. Ah, crotte. Ah, ça va très bien. On galère un peu par moment sur ce jeu, mais à part ça, ça va très bien. Impec. Ça, c'était la mouche. On va reprendre des vies. Voilà, là, on essaie juste de terminer du coup les. D'avoir toutes les télécommandes avant de stanker le premier boss. Moi ouais, je suis un peu con. J'ai pas la musique de ce jeu. Enfin de ce niveau. Elle est assez creepy. Yes, in life. Aïe! Allez! C'est toujours un débile. Ouais, vous pouvez vous foutre de la gueule du streamer qui sait pas contrôler un perso. Voilà, là il y a la deuxième fontaine de sang. Never the time, baby.
Enfin, c'était là. Hop, l'ascenseur. Alors. Hop. On check point. On check le point. On a dit rester dans la lumière. Hop. Ah, il y en a une troisième, hop. Allez, jouons en gomme-mouche. Hop. Ah, j'en pile le pas doué. J'ai rien poussé du con. Allez. Putain, mais non, j'ai pas touché. Putain. Putain, en plus pour rien quoi. Putain. Ah, ah, ah. J'aime pas ce fantôme. Putain. Putain. Ah sérieux. Mais je suis... Putain. Les crépis de fantôme quoi. Ils te collent mais c'est pas possible. Allez. Toi, t'es simple à voir. Un petit coup de queue. Voilà. Pardon my tongue, darling. C'est ma langue, je sais pas. Il est pas très net, hein. À mon avis, il y en aura par là, c'est sûr. Il n'y a rien à faire. C'est moi qui sort des trucs de film. On s'en fout des points, hein. De toute façon, on a déjà fait ça. Voilà. Alors, caméra. Allez, de la live. Il n'y a rien dans cette salle. Encore des fantômes de pacotille. Sérieux, champi. Putain, c'est-à-dire que je suis au fantôme casse-couille là. Ouais, c'est ça. Putain. Attendez. Ah, attendez. Yes.
Ancré sur la fontaine, je vais devoir revenir en arrière chercher les deux autres. En arrière, mais on les a déjà fait. Attendez. On va se mettre en semi, hein. Attends. Non, tu vas pas me dire qu'il va falloir. Ça se reset. Oh putain, mais c'est chiant ça. Non, mais sérieux, ils font chier là. Alors, je me casse le cul à faire tout, toutes les autres et. Ouais, sérieux, bon. Bon, bah on revient du coup. Alors. Ah ouais, putain, t'as raison, ouais. Merci de l'info, quoi. Le truc qui fait bien chier, quoi, d'ailleurs. Faut limite connaître le truc par cœur, quoi, en fait. Oh putain, maintenant il y a un machin qui me fait chier. Allez, dégage toi. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu. Ça aurait été le comble. Alors, on l'avait trouvé où l'autre? Fontaine. Où est la fontaine? Là, c'est l'entrée. Pourquoi je dirige ma manette comme si je jouais un jeu de course quoi. N'importe quoi. Ça c'est la télécommande de semi-auto qui veut me faire chier, je suppose. De toute façon, on a les deux d'avant, je suppose. Alors. Ah non, il est là, putain, ok, ouais. En tout cas, merci de m'avoir fait penser à ça. Lol. Ouais, tu m'aurais le toi. Allez. Bah, maintenant on a 3, il nous en manque 2. Bah, moi j'ai pas pensé aux chiffres, c'est pour ça. Je suis concentré, mais en même temps, tu aurais essayé de pas. Me faire buter par les monstres, donc en tout cas, merci, ça fait. Heureusement que t'as noté ça, parce que sinon. Je sais pas ce que j'aurais fait. Donc, on a cassé un. Un mode Gecko. Un peu d'escalade. Hop.
Hop. Donc non, on passe par la porte. Il y en avait un là, est-ce qu'il est toujours cassé? Alors. On s'en fout des points. On a buté le cracheur de feu. J'ai des mauvaises oreilles, excusez-moi. Bon, alors. On va essayer pas de mourir cette fois, après ce move-là. Allez, mouche à merde. Alors. Heureusement que ces trucs ils sont pas trop agressifs quand même. Lui on avait dit la tête. La lumière. Ouais. Tu peux pas me toucher parce que je suis une merde. Allez, c'est parti. On va continuer. Non. Eh, hey, merci Nim pour ton os, ça fait plaisir. Et salut Manim, comment ça va? Avec un peu de chance, vous apprendrez quelque chose. Comment ça va? T'as passé une bonne journée? Non! T'inquiète pas, c'est pas, je n'ai pas repris la partie de zéro. J'essaie juste de compléter les télécommandes manquantes dans les mondes qu'on a déjà fait avant de faire le boss, histoire de terminer tout ça. Lumière! Fail. J'encode ma vidéo. Best of Dragon Age. Ok, pas de problème. Oh non, sérieux! Oh putain, va falloir tous les refaire. Excusez-moi des gros mots, là. Putain. Ah, champi fail. Lol. Moi, quand je regarde ce jeu, j'ai envie d'engueuler le personnage. C'est pas pareil. Et surtout, de dire à Sony, mais qu'est-ce que vous avez fait avec la caméra sur la PS1, quoi? Sérieux, quoi. J'avais oublié que c'était galère la télécommande à l'époque. C'était galère la caméra à l'époque, j'avais complètement zappé à quel point c'était chiant.
pas, je t'en aurais bien proposé des crocos, mais j'en ai pas. Hop. Alors, on va devoir refaire celle-là. Putain de bordel de merde. Heureusement qu'on a lu ce qu'il fallait faire avant. Ah, je pensais que ça pouvait me ramener de la life en fait, c'est pour ça. Allez, cours Forest. Allez, une life. Je sais plus à combien on en est là de. Je vais check ça. Mais c'est juste que ce fantôme il me fait tellement chier que. En fait, j'aimerais pas. Voilà, j'aimerais pas le re-rencontrer en fait. Alors, on sauvegarde déjà. Déjà, ce sera ça de fait. C'est bien, on l'a fait. Ah, c'est vrai qu'il y en avait un en hauteur un peu chiant. J'aime tellement pas ce niveau là. On aurait dû rester dans le niveau d'avant quoi. Clairement, parce que. Ouais, t'avais raison, ça va, merci. De me rappeler qu'il y a un putain de reset. On a tout notre temps pour ce jeu. Moi perso, j'ai ma soirée. Je fais ce que j'estimais faire. Je terminerai le reste plus tard. De l'IRL plus tard. Ça, c'est le feu. Je sais pas quoi ça va servir. Ouais, c'est le vieux jeu quoi. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à la base de. Je croyais que c'était juste trouver des trucs, mais en fait, faut dire que c'était 10 de paire quoi. Ouais, mais. Vive la caméra de mes. La caméra qui me fait chier. Allez, hop. Eh mince! Ouais, j'avoue, en manuel peut-être, parce que le semi. En fait. Ouais, on va dire que tout simplement. Je pensais que c'était mieux en semi-auto, mais non, en fait, le mieux ça reste le manuel quand même. En tout cas, j'espère que vous appréciez les fakes. Les clips, Il y en aurait une, elle m'aurait fait direct des clips. En fait, ça dépend, en fait. En fait, c'est soit en auto, soit en rien, quoi, parce que. Comment t'expliquer, Nim, qu'en fait, un jeu de plateforme, de P5 à caméra, c'est de la merde.
Allez, mode Super Saiyan activé. Ouais, je ressens une droite, je sais. Non, mais je parlais pas du manuel, je parlais de l'auto, justement. Parce que quand c'est un auto, c'est mieux auto, au moins ça suit tes mouvements. Alors que en manuel, t'es obligé de faire la manip qui se précède. Ah non! Crois-toi que je suis pire. Sur Spyro, sur les crashs, la demande aux gens, demande rien que demande à Némé sur Spyro, il te dira que je suis vraiment nul. Alors qu'à l'époque j'étais bon quoi, mais là le pire c'est que j'ai quasiment que des jeux de plateforme à vous présenter, à part quelques RPG quand même, et quelques RPG d'horreur. On va voir. Le problème c'est qu'on a beaucoup de phases de plateforme en fait dans le jeu. On va dire qu'à 90% de plateforme, on l'a fait. Alors là c'est le truc, le niveau que j'aime pas. On est d'accord. On fait pas la save. Ça sert à rien. Alors. On va essayer. Non, pour l'instant, ce niveau il va. Hop. Ouais, mais ça reste chiant de switcher à chaque fois. Allez, on nous en manque encore deux. Qui me fait chier, allez hop. Ah putain, c'est à chaque fois que je fais foire. On attend. On est toujours dans la lumière, ok, et on saute! Et on réussit pas. Allez! Allez, champi, tu vas y arriver! Voilà, on est dans la lumière. Château que j'aime pas. Merci, ça fait plaisir. Putain, mais je vais y arriver là. C'est pas compliqué. Je te jure, je suis trop nul.
Et tu te disais que t'étais le pire en plateforme, j'aurais même pas me caler en face. J'arrive même pas à trouver le bon tempo, enfin la bonne tempo quoi. Oui! Saute! Putain. Non, s'il vous plaît. Faites-moi réussir ce putain de niveau. En plus, on l'a déjà fait quoi. Putain. C'est sûr que Rayman, je suis meilleur, quoi. Alors que Rayman, Dieu sait qu'il est dur, quoi. Putain, ça me rappelle l'époque, quoi. La caméra, elle est en ligne. Elle est en ligne, la caméra. Tu vois, elle est en ligne. Elle suit mon regard. Là, tu sautes et... Oui, enfin. Alors ça, c'était quoi? Ça, c'est la fin du... bah, il est là en plus. Putain, mais sérieux. Merci. Ah, si ce tableau pouvait éviter de me regarder, il me stresse. Voilà, et là tu sautes! Oui! 4. Il en manque une. Voilà, et on aura fini ce niveau. Là. Voilà, et là on descend. Ouais, c'est ce que je pense, tu vois. Je fais pas de bêtises, le chat. Enfin, c'est ce qu'on avait fait, c'est la dernière Télèque. Lors de l'ascenseur à Disneyland. C'est un peu l'idée, je pense. Putain, j'avais pas vu ce niveau quoi, niveau caché quoi. C'est ça que j'aime bien dans les vieux jeux, c'est qu'il y a, il y a toujours des niveaux, il y a des trucs cachés. Bon, dans les récents aussi, hein, dans Skyrim. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Attendez. Oh, la télécommande cachée. Oh, yes. Donc, on peut nager. Ça veut dire. Dire. En plus, c'est débile.
Bien dit, Nîmes, bien dit. Bonne déduction. Très bonne déduction. Attendez. Bon, on a fait toutes les salles. Mon avis, c'est peut-être qu'elle est à l'entrée. Mais c'est fort probable, les amis. GG Sawada. Non. On a dit qu'on sortirait. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Oula, j'aime que plein de trucs. Putain, mais... Juste le pont à l'entrée. Ouais, mais comment on fait pour aller à l'entrée? C'est ça la question maintenant. Et salut Stémé, comment ça va? Zelf, comment ça va? Là, ça fait plaisir de vous voir là. Ça me fait vraiment plaisir. Putain, mais sérieux, c'est-à-dire qu'on doit tout refaire. Ça va très bien, je galère juste. Je galère juste. N'y a pas de sortie, faut croire. Ouais. Bah si, la sortie, la fin du niveau, quoi. Alors... Bon, moi, bah, écoutez. Alors, on a la cachée. On a deux T commandes rouges. On a quasiment tout. Sauf... il manque celle du milieu. On va dire ce qu'ils nous disent. Bon, j'ai pas le son, mais je regarde quand même. Pas de problème, ma petite elfe. Pas de problème. On sauvegarde. Alors. Ah, niveau bonus, tiens. Putain, on a déverrouillé le bonus. On fait... Si quelqu'un peut passer un gros bisou de ma part à Zelf. Alors, attendez. Alors, on va peut-être refaire celui-là d'abord. Ou vous voulez qu'on passe... Vous voulez qu'on passe chez Robert le chasseur ou qu'on refasse Halloween?
Demande Haribo, c'est le boss. Ah, attendez, j'ai envie. On va voir ce qu'il nous dit dans le bonus. Ah, mais c'est une télécommande dorée, Aztec 2. Pas de suite. Enfin, moi, ça, perso, ça me gêne pas. Hein. Bon, écoutez, on va essayer de refaire Halloween sans mourir. Non, c'est un mauvais truc. Groslock en maillot sur le canapé parce qu'il fait trop chaud et tout à sauce. Ah, je crois qu'elle parle à. Ah, c'était mais. Moi perso, j'ai ultra chaud aussi. D'ailleurs, quand il fera nuit, j'ouvrirai mes volets. Si ça ne vous dérange pas. Je ferai une mini pause. Alors, on va passer au mode Halloween. Alors, il faut juste qu'on refasse les. Alors, Smash Five Blood, on en a trouvé 4. On en a trouvé 4. Il nous manque la dernière. Sous le pont, tu m'as dit. Quel pont? Attends, oh, c'est un bug. Il y a pas mal de bugs graphiques quand même. Hein. Putain, tout le monde a trop chaud. Regarde, il n'y a rien. On retombe. Y a rien. Ah, ça, tu vois bien qu'il y a rien, ça, je comprends pas. Ça va être. Alors. En maillot Zelda. Ah oui, quand même. C'était quand même une réputation de fan de Zelda à tenir, ma Zelda. D'ailleurs, c'est bizarre, mais je vois plus ton badge sur mon chat Nim. La petite navie verte, enfin, la petite fée verte, petite pixie. Attendez. Non, tu vois bien qu'il n'y a rien sous le pont. À moins que c'était l'horloge en fait. C'est peut-être l'horloge aussi qui en fait est un truc caché. Alors là, il y en a une. Là, on va un peu rush. Hein. GG Nîmes pour ton niveau 13. Oula. Fail. En plus, c'était pas hier que Friday the 13th est sorti de l'eau. Petite référence. Non, c'est perso, moi je suis pas superstitieux. Ouais, et ouais, j'ai vu, c'est pour ça que je te disais ça. C'est pour ça que je te disais ça. Même si je suis pas superstitieux, parce que déjà, un,
L'histoire du chiffre 13, elle dit un truc de catholicisme, mais je ne suis pas du tout chrétien ni quoi que ce soit. Je serais limite païen dans ma philosophie. Donc, un elfe ne peut pas être chrétien. C'est pas l'entrée entre la salle de l'ascenseur, soit la salle des chiottes, soit l'avant-dernière salle. Ouais. Les chiottes ou avant-dernière salle. On n'a pas le choix. On va. Mince, je suis tellement con. Putain. Perso, j'ai jamais gagné au loto à part 4 euros. La seule fois où j'ai gagné au loto, j'ai juste gagné 4 euros. Pareil. Juste le droit de rejouer, quoi. Allez, c'est parti. Champi. Yes. Hop, on smash. Alors, là, on sait où aller. Allez, prends tout ça dans la tronche, espèce de Frankenstein. C'est n'importe quoi ce lézard quand même. Sort que des répliques. Hop, on a encore fait un. Mais non, sérieux. Je gagne jamais nulle part, même quand c'est des jeux. T'as enfin tes lunettes zéro. Ah, c'est intéressant ça. C'est un lézard de sang chaud. C'est vrai que t'as pas tort. À la base, un lézard, c'était un reptile. Enfin, un reptile n'existe plus comme terme, hein, pour vous dire en réalité. Mais au sens commun du terme, on va dire. Et les lézards, comme les crocodiles, comme les tortues, sont de sang froid. Et pas chaud. Vous les verrez quand je stream. Moi, j'aimerais bien m'acheter des lunettes des Gunnar perso. Parce que parfois, c'est vrai que je les ai un peu en PLS. Là, on l'a vu. Ça, c'est la salle que j'aime pas du tout. Attendez, on va sauvegarder. Cours Forest. Si je fais, dites-moi RIP. Hein. J'aime bien avec mes cherches, on apprend sur les animaux et la nature. Ouais. Ben, au moins, ça fait un peu de culture. Parce que. On en sort, il y a le jeu, mais je stream pas que pour parler du jeu, hein. Je stream pour parler avec vous et vu que c'est un peu ma formation, tout ce qui est tout ce qui est basé sur la nature. Et j'ai et coucou Mara, ah la pub et GG pour son niveau, elle se pose tranquille, elle gagne un niveau. Pépère, pépère camembert.
Comment ça va? N'y a rien dans les chiottes. Où c'est que vous voyez un... Et voilà, je suis un peu à... Je suis un peu censé... je suis un peu en licence... d'écologie, donc voilà, donc c'est un peu ma spécialité, c'est un peu ma passion, la nature, donc moi ça va mieux. Et vous? Écoute, on a très chaud. Frankenstein est ici, enfin le psychopathe. Alors la tête est où? Où la tête? Voilà. Redonne-moi ta vie, toi. Ah, le bus, c'est le bus. C'était juste avant qu'on. Une fontaine par salle, donc les chiottes. Soit la salle après les chiottes. On est à la salle après les chiottes. C'est ça que j'ai du mal à capter. Dire qu'on est qu'en mai exact. Et j'aime pas trop ça. J'aime pas trop me dire qu'on est qu'en mai, tu vois. Bon, ça on l'a fait. Là c'était la salle d'avant. Ça on avait fait cette salle. Moi j'ai froid, moi qui vient me réchauffer. Ouais mais c'est méga chaud ce bordel. Je suis d'accord. C'est aimé qui devient jaloux parce que Mara demande qu'on la réchauffe. Bah, demande à Stémé. Mara, il est là pour te réchauffer. Vous êtes ensemble. Donc. Moi, je suis encore célibe. Tiens la chandelle. Non, mais j'ai... Non, sérieux, champi, qu'est-ce que t'as fait? Ah, tu es à 10 minutes de la plage, c'est vrai, toi. 21 sur 50. Non, sérieux, champi, t'as fait n'importe quoi. Trop bien les champions, c'est des bêtises. On va refaire l'autre niveau du coup. Jeff a pas vu le niveau avec les lapinous. Enfin, le niveau lapinou avec Robert le chasseur. Bon, ça, oh! Ah, c'est pas gentil, Sanim. Zel, j'en fais pas tout le temps des bêtises. Je vais voir Robert, le chasseur. Nien? La caméra qui fait flèche. Bug graphique. Ok. Ouais, Robert, le chasseur, est... Et son pote Gérard. Alors.
Je vais vous laisser, je vais mater vendredi 13 le film. Ok, pas de problème, Delo. Merci à toi d'être passé, ça m'a fait super plaisir. Encore merci pour être passé, pour la modération jusqu'à là. On se revoit à bientôt. Imagine Mara le dîner sur la plage au coucher de soleil. Oh putain, c'est trop beau ça. Je lui fais bénéfice du doute, Zelfie. Je lui fais bénéfice du doute. Bon alors, Wack Fight Purple Mushroom. On doit casser 5 champignons violets. Ça, on l'a fait. Donc, on doit trouver les 5 champignons. Ouais, c'est pour moi, ça, champi et violet. C'est ma couleur. Pour ceux qui connaissent, qui me connaissent pas. Alors, attendez. Il y en a un déjà. Ah, ça c'est un rouge. Ah, il y en a un. Deux. Mais c'est tranquille celui-là. Pour vous informer que c'est le niveau le plus facile. C'est bon les carottes. Ça rend aimable. On va pas s'occuper des rouges, hein, du coup. On va se focus sur le reste. Ok, à tout de suite, Mara. Bon, après, on va quand même faire un peu le reste. Ah, putain. Sérieux, le jeu qui est contre moi, quoi. Si j'avais mon appart, je vous aurais hébergé. Ouais, c'est super simple. Et tu m'hébergerais, moi? Comment ça, faux cul? Moi aussi, je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour mourir. Ah, j'aime pas cette phase. Ça me fait penser à une fin de loup. Un jeu que je vous streamerai plus tard d'ailleurs. C'est vrai que vous habitez un peu plus. Vous habitez un peu plus proche. Contrairement à moi qui habite à péter au schnock. Enfin, je crois que la personne chez qui j'habite le plus proche, c'est Nîmes, je crois. Les saucisses sont en effet grillées sur une grille au bord de l'eau en mangeant des huîtres avec un timbre blanc. Miam, miam. On est déguisé en lapinou! Lila, regarde. Regardez Lila, Robert le chasseur.
Putain, j'en vais faire la merde en boîte. Putain. Putain, je fais n'importe quoi. Ah! J'ai l'impression d'être dans Mario, quoi. Est-ce qu'on l'a eu? C'est bon, Hulch, on est Robert. Je me sens seul d'un coup. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez des mushrooms violets. Ah, ça c'est un rouge. Alors. Miam miam. C'est bon. Ouais, maintenant il va y avoir Gérard juste après, normalement. Ouais. Ouais, moi, ça fait... ça doit faire 4 ans, voire 5 que je suis célib. Si on peut dire que j'étais réellement en couple avec la personne en question. Ça, c'est une autre histoire. Il me semble qu'il y a un truc qui était caché. Après, pour l'instant, on va dire que j'ai un peu laissé tomber la vie en couple. Ouais, le mieux c'est d'être avec la bonne. Après, c'est peut-être un peu trop compliqué, peut-être, je sais pas. Donc, ah, mais fait chier là, le piège à ours là. Non, t'inquiète pas, j'ai juste dit que pour l'instant j'abandonnais parce que ça. Parce que j'ai été trop déçu et que j'ai du temps à donner pour autre chose en ce moment, donc. T'inquiète pas. Ah bah voilà, voilà Gérard, le potin, le copain Roger. Ouais, j'avoue, il faut rencontrer des personnes. C'est moi, j'ai moins rencontré de cons dans ma vie que. Non, c'est l'histoire de film. Putain de. Vive le fail, la champi, j'adore ça. Oh là là, je vais tout refaire, super. Allez, 2-1. Pas ça, les quêtes pour elle, c'est la même. Et surtout que maintenant, on va dire que j'évite qu'on me prenne pour un con aussi. Ah là, l'autre.
remember, kids, never buy marmalade from a guy in a top hat. Allez, Bugs Bunny, le retour. J'aime pas ce niveau, et j'aime pas ce niveau, et j'aime pas ce niveau. T'as la caméra qui me troll. Allez. Il y en avait une là. Bon, on va arrêter de s'alarmer. Putain, mais... Putain, voilà, je suis trop déconcentré, là. Bon. Ne t'inquiète, je n'ai jamais dit que je mettais les personnes dans le même 5. Ça voudrait dire que rien que dans les personnes, je vous mettrais tout dans le même sac. Et je dis que parfois, disons que j'apprécie guère qu'on me prenne pour un con et la personne en question que je te parle m'a, enfin, ce qui était la dernière, m'a vraiment pris pour un con et ça s'est mal passé, on va dire. Oh, mais il était là, putain d'Arnaud de sa mère, pardon. Mais re Mara, re charmante Mara. J'ai dit ça exprès pour là j'ai fait exprès pour taquiner un peu le copain stémé, hein. Parfois je suis d'humeur trollesque. Alors le schroumiche. Oh la grosse, tu vas essayer de m'écraser la tronche. C'est vrai, je me fais écraser par une grosse, quoi. Ah, je vais rester concentré dans le jeu si ça vous dérange pas. Merci pour le charmant. Bonjour charmant, mais sergent. Ah, c'est sympa que tu me trouves charmant. On est au deuxième, on est d'accord. Deuxième champignon. On va récupérer des cacaroto. Une galette de lézard. Je me suis fait des crêpes aujourd'hui, hein. Donc j'ai encore bouffé des galettes. Ouais, c'était pas dégueu pour te dire. Elles étaient juste un peu lourdes à la fin, les galettes, quand on que ça, c'est un peu mal big. Waouh. Ah, il y a Maya l'abeille. Ah, c'est la journée crêpe. Bah écoute, j'avais plus que ça dans mon frigo, j'avais me resté des crêpes, de la pâte à crêpes sarrasin. J'en ai fait aujourd'hui du coup. Et vu que j'ai que ça, vu que j'ai plus trop de sous, je suis un peu à sec en ce moment. Je sais pas si c'est la fin de mois ou si c'est dû à autre chose, hein, mais... Mara, mais tout. C'est vrai que c'est quelqu'un d'exceptionnel, Mara.
C'est une vieweuse de qualité. Enfin, vous êtes tous des viewers de qualité, hein. Vous êtes tous différents à votre manière. C'est ce que j'essaie de vous dire. Ah non, on va d'abord s'occuper de celui-là ici. Ne m'écrase pas, s'il te plaît. 3. Il en manque 2. Ouais, le piranha. Une caméra quoi. Ah bah t'es là celui qui nous manquait. 4, il en manque plus qu'un. Fais chier! De l'amour ce soir, de l'amour. C'est que de l'amour, c'est génial! Eh oui, car j'assume, je n'ai pas de honte à l'affirmer, ma douce. C'est bien, faut s'assumer. Faut assumer tel qu'on est et ce qu'on pense des autres. Alors, on va rush, hein. On va skip Robert. On prend comme une mouche. Ressentez l'amour du farfadesque ici. On m'a dit qu'il y avait de la vie ici. Non, c'est trop mignon. Ah, mais attendez. Ah non, j'avais cru qu'on aurait pu remonter comme ça, mais bon. Alors, non, merci, c'est mignon, c'est vraiment gentil. Oui, enfin, on n'est pas mort. Alors, il en manque plus qu'un, on est d'accord, hein. Attendez, c'est moi ou c'est... En fait, c'est genre un truc de douche, quoi. Avec son grand-fils. Alors, Georges, on l'a eu, c'est bon. Et c'est Gérard. C'est Gérard et Ah, attendez. Donnez-moi de la vie.
D'ailleurs, j'ai à moitié envie aussi de me remettre à re-refaire le Spyro, mais ça risque d'être encore plus long. Parce que le circuit et moi, ça fait deux. Sur Spyro, hein. Ce jeu me fait penser à au Schtroumpf sur PS1. C'est un peu l'idée de ce monde, c'est un peu le monde de Bisounours, Bugs Bunny, tout ce que tu veux. Ouais, j'ai pas réussi. Allez, Georges Gérard. Oh. Ouais, mais j'aime bien garder mes petits surnoms. Après, je me perds dans les appellations des PNJ et des mobs. Ah, mais non! Mais sérieux! En tout cas, j'espère que vous appréciez ce live. Par tous ces moments, par toute cette gentillesse que vous partagez, et par tous ces fails que je vous partage aussi en ma charmante compagnie. Parce que c'est des fails pour de la charmante compagnie, justement. Ouais, merci, ça fait vraiment plaisir. Ça me touche beaucoup tout ce que tu me dis là. Alors, merdouille. Putain de vent de merde. C'est vrai qu'en plus, comme on dit, le hasard fait bien les choses. Pour la plupart, je vous ai rencontré par pur hasard. Hein. Bon, cet aimé, c'est s'arrêter un peu plus grâce à la plug-in. C'était complètement par hasard. J'ai découvert. Genre, j'avais retesté vite fait. C'était quoi? Ah bah si, j'avais vite fait retesté une partie numéro 2, l'idée qu'elle vient stream. Parce que justement, je préparais peut-être un comeback sur Neverwinter, et elle faisait son stream dessus, du coup je suis passé. Puis après, j'ai vu ça, et après j'ai vu sa chaîne perso que j'ai suivi. On doit tout refaire et c'est super, hein? On va devoir tout refaire, c'est génial. Putain, mais c'est du hardcore gaming ce jeu, quoi. Attendez. Il y a un potage ici. Putain, j'avais pas vu ça. Je vais tout refaire. C'est pas grave, j'ai toute ma soirée. Là, j'ai envie de me détendre avec vous. Sur ce jeu. De la mûre. Comme dirait un pote, no pain, no game. Ah, oh, bah tiens, maintenant je sais comment on va là. Lol. Allez, Maya, l'abeille, tu vas mourir, c'est bon. Ben, on dirait plus un bourdon qu'une abeille, mais bon.
du love du game. Ça pourrait limite faire un slogan, tu sais, genre un slogan de chez Champy. J'allais farfader du love du game du fail. Ah. Du love du fail du game. Dans l'ordre, ça serait ça. Allez, on est au troisième. Allez, encore. Tu vas y arriver, Champy. Tu vas y arriver. Tu peux avoir tout l'honneur d'être farfadé. Non! Tu ne mouriras point, c'est marqué sur la Bible. La Bible des farfadés, hein. Bien sûr, hein. Oui, c'est moi, je viens d'inventer la Bible des farfadés. Ouais. Mais Rosawada, qu'est-ce que j'ai raté? Et salut Astiaril, comment ça va? Bah ça va très bien, ça va très bien, on dirait la voix du père Fouras. Non! 4, il en manque plus qu'un. L'amour du game de Champy s'est fait le gamer au grand cœur. Oh, c'est mignon, Nim. Une petite faute de propre sur les règles du chat. Ah, c'est possible. C'est possible. Je vais très bien. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que t'as raté? T'as juste raté un moment riche en émotions. Qu'est-ce que t'as raté d'autre? Beaucoup de fails, de morts inutiles et complètement connes.